Grâce à lui. Est-ce que nous pouvons partager la parole ce matin? On peut partager la parole? Il faut garder ça en souvenir. Tu peux mémoriser, tu peux écrire. Si tu ne l'as pas fait, va chercher un cahier là à la boutique, c'est 100 francs. Avec un stylo à bille, c'est 100 francs. Et puis tu prends note. Parce que ce que je vais te donner là, certains vont vous dire, ils ont eu pour eux dans le séminaire. Ils ont payé peut-être 100 000 ou bien 50 000. Mais je vais vous dire ce que les autres pasteurs appellent grand-grand là. Moi, j'appelle ça petit. Dis petit. Mais dans le spirituel, c'est grand. Mais eux, ils veulent vendre. Alors qu'une fois que tu mets l'argent dessus, ça n'a plus de valeur spirituelle. Ça a de la valeur financière. Tu peux vendre une prédication à 100 000. Même actuellement, les pasteurs, pour aller regarder les cultes en direct, tu dois taper un code. On va te couper au moins 20 dollars. Dieu a donné gratuitement. Donné gratuitement. J'interpelle tous les pasteurs qui vendent la prédication. Et les cultes de chaque dimanche. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. L'argent que tu as eu pour faire site internet là, qui t'a donné? Tout ton voisin, il faut dire qui t'a donné? C'est les filles. C'est faux, c'est vrai? C'est où il y a rien là-bas? C'est où? C'est l'homme qui m'a donné? C'est faux, c'est vrai? Bible, il y a là, qui m'a donné l'argent? C'est l'homme? C'est faux, c'est vrai? Micro et planche avec là, qui a donné l'argent? Maintenant, moi, mon tour, si tu veux regarder mon culte, tu n'as qu'à. Vous voyez, non? Dieu dit, vous le connaîtrez par leurs fruits. Actuellement là, beaucoup n'aiment pas mon affaire. Mais jusqu'à l'année va finir là, il y a beaucoup, mais ils vont savoir qu'eux, mais ils sont vos pasteurs. Amen. Même leur propre m'a dit, chérie, est-ce que tu écoutes le jeune d'Abobo là, mort à la fête là? Il m'a dit, non, c'est un menteur. Chérie, il faut écouter. Si tu écoutes là, il y a les choses qui ont changé. Il ne faut pas regarder de l'homme sans connaître l'homme. Il faut dire, ouais. Il ne faut pas regarder son nom. Tu n'as jamais écouté. Tu n'as jamais suivi mes prières. Tu es là, tu le délit, tu le critiques. Mais est-ce que tu as écouté un peu? Moi, je te dis au travail, je me cache à mon écouteur. J'écoute un peu, seulement deux cultes. Chérie, pour qui est dans mon ventre là, malgré que pasteur là, c'est dans son culte même de depuis décembre là, qui a vomi boule là. Voilà ça dans sa chaise. Il y a des gens qui ont témoigné pour mon ventre. Vous allez voir, on va faire un direct de témoignage. Amen. Les photos, les trucs qu'on m'envoie sur WhatsApp, il y a tout publié. Et vous allez rester tranquille. C'est parce que je vais discuter beaucoup, bientôt demande pour ne pas dire. Alléluia. Dieu fait. Pour dire Dieu fait. C'est pas biblique de vendre la prédication. Exemple. Tu veux évangéliser sur internet, n'est-ce pas? Amen. Qui t'a envoyé là-bas? Tu dis Dieu, non? Amen. Alors si tu es parti, le Seigneur dit c'est lui qui pouvoir. Alors, quand tu payes 20 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros, 1 million, 3 millions par mois, l'argent a quitté dedans. Les gens qui vont regarder là, laisse-les regarder sans payer. Dites à tous ces faux pasteurs qu'on appelle bishop là, d'arrêter ça. Ce n'est pas biblique. Dites, ce n'est pas biblique. Mercredi, je vous ai expliqué qu'un bishop, c'est un laïc, un fidèle dans l'église, qui est ancien dans la parole, qui est baptisé il y a longtemps. Et il craint Dieu. Il est marié à une seule femme. Il éduque bien ses enfants. Il fait trois appuis sur la parole. Mais il n'est pas pasteur.